حتى واحد. أيمن أنا ما أحبك، أنا ما أحبك أيمن. شوف إيش ديروا لي، شوف إيش ديروا لي. أيمن أيمن. شوف إيش ديروا لي أيمن، شوف إيش. الدم 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 الدم. أنا ما قطعت حتى واحد، ما قطعت حتى واحد. I do not come with timeless truths. My consciousness is not illuminated with ultimate radiances. Nevertheless, in complete composure, I think it would be good if certain things were said. Lakmi. Lakmi. These things I am going to say, not shout. For it is a long time since shouting has gone out of my life. So very long. I was born in 1925 in Martinique. I studied medicine in France and later specialized in psychiatry. When I was 27, I published my first book, Black Skin, White Mask. Why write this book? No one has asked me for it, especially those to whom it is directed. Well, I reply quite calmly. There are too many idiots in this world, and having said it, I have the burden of proving it. The struggle between the master and the slave is a struggle for power, partly for who possesses the products of the slave's labor. This is the bit that interests Fanon, because he sees, of course, that the colonizer-colonized relationship is a struggle to the death, and indeed in his life he pursues it to the death. At the same time, he sees it is also a struggle by the slave to win recognition, and also the dependency of the master on the recognition from the slave. What Fanon says is, in the colonized colonial relationship, there is no recognition going on. And that's why Fanon is concerned that racism depersonalizes. It is a denial of recognition. It is the master saying, I do not see you at all. Franz Fanon described that he wants his father to sing Creole song, and she's singing French song to him. And he wants to listen to Creole song, and she interrupts him. And she said, don't be like a nigger. La famille Fanon est assez éclectique. Ma grand-mère est originaire d'Alsace. Donc elle était claire de peau. Et là, c'est moi. Et maman. Et ça, c'est un monsieur très important. C'est ton grand-père, c'est une photo. J'étais très clair de peau, étant jeune. Et j'étais un peu... Enfin, je faisais un peu le désarroi de mon père, qui n'arrêtait pas de demander à ma mère d'où je pouvais sortir. Enfin, il lui demandait... Cet enfant est trop clair. Il n'est pas de moi.
devant le monument de Schœlcher. Né en 1804, à Paris, Victor Schœlcher se voue à l'abolition de l'esclavage. Après 20 ans de lutte, il obtint le grand acte d'affranchissement le 27 avril 1848. La Martinique. Que devient cette île française depuis 1685, entourée de possessions britanniques ? Martinique, Guadeloupe, Guyana and Réunion are what we call the old colony that was colonized before the French Revolution. And then you have the French Revolution and the abolition of slavery. But the promise is not kept. This is why the nationalists have reacted and they cut the head of the Empress Josephine, who was the person who convinced Napoleon to re-establish slavery in the colonies of the West Indies. 1848 is the abolition of slavery, but still not equality. J'ai tenu à évoquer le problème nègre au moment même aux États-Unis. Il fait l'objet de discussions passionnées à propos des avantages que les Noirs réclament en raison de leur coopération à la guerre et de leur appui dans les élections. Il y a eu le gouvernement Vichy sous Pétain, et à la Martinique, nous avons eu l'amiral Robert, où beaucoup de jeunes gens sont partis, fuyant le joug d'Hitler à cette époque, qui était représenté par par Pétain. À 18 ans, il abandonne la Martinique, sa famille, s'engage dans les forces françaises libres et va pour défendre la liberté piétinée par les forces nazies. Dodo, dis-moi dodo, Timouna, moi dodo. La vieille a caoulé, il faut voyer toute soldat aller. Il se doutait que France allait partir ce jour-là. Donc il y avait cette air de tristesse qui planait sur certains membres de la famille. Et on se questionnait comme ça, as-tu vu France, as-tu vu France, pendant toute la soirée. Moi, enfin, je crois que ce qui est important aussi, d'après ce que j'ai su, c'est que ceux qui partaient en dissidence, c'était dangereux. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Et certains pêcheurs prenaient l'argent et ils lâchaient les dissidents en plein canal et ils arrivaient ou ils n'arrivaient pas. Il y en avait beaucoup qui mouraient comme ça. Arrivé en France, il s'aperçoit que le fermier français n'est pas tellement français, pas tellement prêt à combattre pour la France. Et il nous écrit en 1945, « Je me suis trompé. Rien qui justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier » quand lui-même s'en fout. You must understand, dear boy, that color prejudice means absolutely nothing to me. Il a choisi de faire une technique médicale, la psychiatrie, qui permet